Eh bien, nous sommes en direct des mets, où il va y avoir une explosion qui va permettre de détruire le rocher en équilibre, petit frère de celui qui est déjà tombé en décembre 2019. Des bâches ont été posées sur ce rocher, des trous ont été creusés dans le rocher dans lesquels de la dynamite a été placée. La bâche protège le tout. Normalement, rien ne devrait être projeté, tout devrait rester directement dans le périmètre. Je suis entre le pont sur la Durance et l'entrée du village. Trois coups de sirène ont eu lieu. À la fin du quatrième, tout devrait sauter. Beaucoup de monde est déjà là. Le bord de la route est café de monde. Tout le monde veut être là pour assister à l'explosion. Allez, on y croit, on y croit. Ça ne saurait tarder. Et ben voilà, a pu. Le pénitent qui était en équilibre est détruit. Alors on voit au tout premier plan, en bas de la photo, voilà, en bas de la vidéo, le gros rocher qui est au premier plan, c'était celui qui est tombé en décembre dernier. Mais j'ai un petit peu de mal à zoomer dessus pour faire la mise au point. Mais ce gros rocher qu'il y avait au premier plan, c'était celui tombé en décembre dernier. Et voilà, nous étions le 27 mai 2020, au mai, dans les Alpes d'Haute-Provence.